Bonjour à tout le monde, je vois que mon kit Fred Bischer a ramené quelques personnes, je ne pensais pas qu'il y en aurait. Je vais vous parler de qualité. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on va faire évoluer en processus, en référentiel qualité à l'intérieur d'une société, parce que moi-même donc, je bosse à ACS, j'ai pu travailler sur quelques référentiels qualité, celui de CS que j'ai fait évoluer, mais aussi celui de divers clients, etc. etc. Je ne vais pas vous parler du processus. Je ne vais pas non plus vous parler de dissonance cognitive, d'effet rebond, etc., etc. Parce que quand on commence à discuter sur des sujets, on peut être assez passionné. Les gens vont se dire, non, mais ce que tu me racontes, c'est en totale contradiction avec mon référentiel. Comment ça, les vaccins, c'est nul, moi je suis sûr que c'est bon ou le contraire. On a tendance à rejeter les choses, voire pire, les arguments qu'on peut entendre. On va se dire, non, en fait, ça va renforcer notre idée que nos faux arguments, ils étaient bons ou le contraire. Donc je ne vais pas vous parler de ça non plus. Il y a une très bonne présentation de Dan Sachs qui a été faite au CB Bacon en 2016. Toute la première partie, c'est sur ces sujets-là. Sur, on a beau avoir des arguments techniques et les gens, en fait, ils nous reçoivent avec des problématiques humaines. Donc, les référentiels qualité, peut y avoir cet aspect. Je ne vais vous parler uniquement de technique. Donc, on va bien voir si ça va suffire à convaincre ou pas convaincre, ou ne serait-ce qu'à vous amener à réfléchir, à voir les choses de différentes façons éventuellement. Donc, je vais traiter essentiellement de deux sujets. Premier sujet, c'est où est-ce qu'on déclare les variables dans C++ et dans plein d'autres langages. Et deuxième sujet, c'est est-ce que oui ou non on s'autorise des retours multiples depuis des fonctions. Sujet, les deux, en général, les gens ont déjà leur avis assez tranché. Je ne cache pas, je vais essayer de présenter un peu les arguments de tout le monde et vous sentirez certainement transparaître mon avis sur le sujet. Au sujet des déclarations de variables, j'ai noté un certain nombre de contradictions entre des référentiels que je pourrais appeler traditionnels et ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la littérature. Et je me suis retrouvé en opposition avec des clients où justement toute variable devait être déclarée en début de fonction. Et je leur ai dit, mais non, surtout il ne faut pas faire ça. Et je suis bien embêté parce que ça c'est le référentiel qui m'était imposé. Et je regarde dans la littérature, bon, ok, quand on regarde le Ritchie à Kernighan, toutes les variables doivent être déclarées au début. Pensez, bon, le C89 ne laisse pas le choix. Donc, quelque part, c'est normal. Mais si on regarde des trucs un petit peu plus récents, le code clean de Robert Martin, les variables, on va devoir retarder leur définition. Les codings standards de Sutter Alexandrescu, le C++ coding standard. On retarde, voire même on essaie de déclarer nos variables constantes. Le coding standard de Google, même chose. AutoSAR, c'est l'héritier de MISRA, donc c'est des choses qui sont assez orientées, embarquées. Bah, pareil, ils commencent à dire, bah, non, les variables, on va essayer de retarder. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé des CPP Core Guidelines, c'est un petit peu c'est une aventure qui est lancée par Sutter et Strauss-Strub. Pour essayer de mettre en place des règles qualité qui soient intelligentes, que tout industriel va pouvoir ensuite utiliser. Et rien que quand on regarde la quantité de règles qu'ils ont proposées sur la déclaration de variables, il y en a une quantité quand même assez conséquente. On va essayer de mettre des constantes au maximum. Les objets, on va faire en sorte de toujours les initialiser, de retarder leur définition. Si on peut, on va essayer de faire que cette définition soit constante. Et le truc assez intéressant, c'est que par rapport à mon référentiel traditionnel, ils sont en train de me raconter, mais il y a les NR, ce sont les non-rules. Ils ont classé ça dans les limites et les non-règles. Et bien dans les non-règles, ils disent non, on ne va pas déclarer nos variables en début de fonction. On va essayer de retarder leur définition. Là, je me dis, ben, merde. Là, ils sont bien gentils, tous ces gens, mais ils me donnent des recommandations. Mais comment est-ce que je peux essayer de convaincre que ces recommandations peuvent avoir du sens ou pas? Pourquoi on a cette persistance par rapport à l'état de l'art? L'état de l'art nous dit maintenant des variables, on va essayer de les retarder, et pourtant il y a une persistance, on va de toujours les déclarer au début. Donc j'essaie de voir un peu quels sont les arguments de chacun là-dedans. Alors mes premiers soupçons, c'est qu'on a tendance à reproduire ce que nos aïeux faisaient. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous, voire nos professeurs, ont commencé avec du Pascal, de l'ALDA, du C89, au choix. On n'avait pas le choix dans ces langages. Donc techniquement, incidemment, les cours d'algorithme, ils étaient aussi comme ça. On a des habitudes qui sont fortement ancrées. Et je peux le constater lorsque je donne des formations à des apprenants, parfois lorsque je fais des revues de code pondues par des collègues ou de personnes avec lesquelles je travaille, souvent je constate des variables qui sont déclarées longtemps avant et qui ne sont initialisées pour la première fois que très tard. Donc on a des choses qui persistent.
Alors j'essaie de voir un peu quels étaient les arguments classiques qu'on a pu trouver, donc j'ai fait un petit tour sur le net pour voir quels sont les arguments récurrents. Ça permet, le plus récurrent de tous les arguments, ça permet de retrouver nos variables rapidement. Ouais, pourquoi pas. Enfin bon, si la fonction était courte, c'est-à-dire si elle respecte le principe de responsabilité unique, bah, trouver ou déclarer une variable, donc c'est 4 lignes dessus, c'est pas trop compliqué. Pire, on augmente le nombre de lignes nécessaires dans la fonction, c'est-à-dire, au lieu de l'avoir courte, mais on perd. Pour plus de variables, on a une ligne en plus dans notre fonction. Et après, bon merde, enfin je sais pas, mais j'utilise Vim assez couramment. Il y a même, avec Vim, depuis 20 ans, j'ai un truc qui s'appelle GoToDefinition, pour qu'il me permet de récupérer la définition d'une variable. Alors, quel est l'argument de dire c'est plus simple pour retrouver la variable? Peut-être sur des listings de 500 pages, j'en sais rien. Bon, autre argument, il est plus simple pour les initialiser et de les surveiller dans un debugger. Après, ben, l'alternative, ben, c'est que je préfère avoir mes variables const. Parce qu'une variable est const, je n'ai pas besoin de la surveiller dans un debugger. Je sais qu'elle ne va jamais changer. Et puis, accessoirement, les debuggers, ben, depuis le temps, ils savent s'adapter, ils permettent de faire des trucs assez sympas pour surveiller toutes les variables. Au fur et à mesure, ils vont les enregistrer, c'est quand même assez pratique. Un argument que j'ai trouvé qui peut être intéressant, c'est que si la liste des variables explose, c'est un bon indice comme quoi il faut refactorer le code. Ouais, mais enfin bon, parce qu'on ne peut pas le voir avant. Accessoirement, si jamais on doit refactorer le code à la main, si on n'est pas assisté par des outils intelligents et ainsi de suite, quand on a des variables qui sont éparpillées par rapport au bout de code que je veux extraire pour le mettre ailleurs, ça va être bien plus compliqué. Bon. Autre argument que j'ai regardé, ben c'est des arguments qui sont un peu plus cognitifs. On peut se rendre compte que, effectivement, déclarer et initialiser une variable, en fin de compte, ce sont deux choses différentes. Quand on dit à tout le monde le principe de responsabilité unique, c'est génial, on ne fait qu'une seule chose, on le fait bien, ben quand je vous dis de déclarer et initialiser en une fois, ben je vous demande quand même de faire deux choses en une. Donc, effectivement, on peut se poser des questions. Après, il y a une notion de tracing qui existe quand on essaie d'analyser un code source. Le tracing, c'est quoi? Quand je vais regarder un code, quand je vais le dérouler, j'essaie de voir ce qui se réalise à l'intérieur du code. À un moment donné, j'ai une référence à quelque chose qui est ailleurs. Cette référence à quelque chose qui est ailleurs, quand j'essaie de le retrouver, ce mécanisme s'appelle du tracing. J'essaie de retrouver d'où ça vient. Si c'est une fonction de la bibliothèque standard qu'on va manipuler tous les jours en copyif ou des choses comme ça, on n'a pas besoin d'aller voir le code de copyif pour avoir une idée de ce que c'est. Si par contre, c'est une fonction qu'on n'utilise pas souvent, qui a été définie une fois dans le Le tracing, bah, ça veut dire, moi, ce qui a défini cette fonction, oui, elle fait bien ce que je voulais, et ainsi de suite. Pour les variables, c'est la même chose. Quand je dois aller chercher des informations beaucoup plus loin, bah, du coup, le tracing va faire que, si je vais chercher très loin, bah, quelque part, ça va complexifier notre appréhension du système, donc notre compréhension du code. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Si je dois aller chercher ma variable loin, ça me gêne. Mais visiblement, il y a des personnes chez qui, au contraire, aller chercher la variable loin, parce que les variables sont ensemble, c'est plus simple. Je pense qu'il y a un effet d'habitude qui est hyper important là-dedans. Alors, quels sont les avantages qu'on peut trouver sur les définitions retardées? Le premier avantage qu'on voit dans les littératures, parce que nous sommes en C++, c'est l'optimisation. Personnellement, j'ai rangé ça dans les avantages mineurs. Parce que bon, on ne va certes pas procéder à des constructions, des initialisations inutiles, quand on va factoriser. Mais après, quand on a un code qui dit, voilà, j'initialise une variable à 0 par défaut, un peu plus loin, je vais la mettre à 2, et éventuellement, beaucoup plus loin, je mets une autre variable que je vais initialiser avec la deuxième valeur de notre variable de départ. En fait, d'un point de vue compilateur, ce qui se passe, c'est que chaque affectation va être transformée pour transformer ça sous une forme qui s'appelle les Static Single Assignment, les SSA. Et du coup, le compilateur va travailler sur ces SS1. Il va voir, bah, une fois, on a un machin qu'on met à 1. Une autre fois, ce machin qui n'a pas été utilisé, on va le mettre à 2. Mais du coup, ça veut dire que le Y1, ça ne sert pas. Donc, sur les phases d'optimisation, sur les middle end, LLVM, GCC, Visual Studio, depuis je ne sais plus quelle version, font ça déjà régulièrement, vont dégager toutes ces instructions qui ne servent à rien. Voire pire, si le Y2 n'a pas été utilisé et qui ne sert qu'à remplir le X1, c'est le X1 directement qui va contenir notre 2 à la fin de la phase d'optimisation par le middle. Donc quelque part, ces formes intermédiaires, c'est pas très grave de les laisser, ça ne va pas nuire à l'optimisation. Sauf dans certains cas assez classiques, pour les constructions en deux temps, où là, véritablement, j'ai un constructeur qui fait quelque chose. Je définis mon vecteur. Mon vecteur, il est construit par défaut, il est vide. Je le redimensionne. Enfin, je le redimensionne avec 42 éléments qui vont être mis à 0 par défaut. C'est ce que fait Resize en C++. Et après, je remplace ben, tous mes éléments, je leur mets une valeur de 2. Ça va quand même être un petit peu plus long,
par rapport au fait de construire directement le vecteur à sa valeur finale. Bon, maintenant un petit peu plus loin, par rapport à un code assez compliqué, ça reste de la micro-optimisation. Donc ce n'est pas très très grave non plus. Il ne faut pas exagérer. Un autre rapport mineur, bah, j'ai tendance à considérer que quand on a une volonté de varier pour l'instant début, bah, c'est régulièrement au fil des refactorings, parce qu'un code, sa vie sur des dizaines d'années, parfois pire, on va se retrouver avec des variables qui sont non définies. Enfin, non utilisées, pardon. La variable a été définie un jour elle a été affectée, un jour elle a été manipulée, puis un jour on cesse de s'en servir, et pourtant elle est tout le temps en haut. Mais on a peur de la retirer. Bon, je tendance à dire que c'est pas très grave, parce que maintenant on a un warning, enfin maintenant depuis quelques temps, qui permet d'y remédier. Il veut dire cette variable n'est pas utilisée. En général, on peut ne pas avoir peur, il a bien, une bonne fois pour toutes. Ça simplifie aussi, je trouve, la synchronisation entre le nom de la variable et son contenu. Parce que quand on commence à séparer les choses, des fois on va mettre un nom à un moment donné, et puis on va pas trop changer ce nom, même si on se rend compte qu'on commence, sémantiquement parlant, à y stocker autre chose. Quand les choses sont l'une à côté de l'autre, j'ai envie de dire qu'on a moins peur de changer le nom de la variable, parce qu'en fin de compte, on va se retrouver avec un tracing carré 8, et donc on peut refactorer plus simplement ce genre de choses. C'est une estimation. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est plus simple de refactorer avec une extract méthode, quand on n'est pas assisté par des outils, quand les variables sont localisées. Autre accord mineur, c'est qu'aujourd'hui, si on veut utiliser auto, nous n'avons pas d'autre choix que de retarder les définitions de variables. Si on se dit, si on a un référentiel de règle qui nous dit qu'il est interdit de définir une variable sans l'avoir déclarée au début du programme, ça veut dire qu'on s'interdit d'utiliser auto. Donc à un moment donné, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on veut s'autoriser auto ou pas? Si on veut s'autoriser auto, ça veut dire qu'il va falloir enfoncer la porte et dire non, mais là, les variables, je ne vais pas les déclarer au début parce que je veux utiliser auto. Auto a des bonnes propriétés. Là, on peut sortir une série d'articles de Sutter sur le Almost Always Auto et ainsi de suite pour essayer d'expliquer, de travailler autour de ça. Toujours est-il que je ne peux pas faire ça avec auto. Je suis obligé de le faire sur un seul. Même chose avec const. Je ne peux pas définir qu'une variable est const si je n'initialise pas de suite. Je ne peux pas le faire. On va se dire, mais parce qu'on a vraiment besoin de const. Bah, const est assez intéressant. Const, quelque part, ça commence à nous amener vers une sorte de style, une propriété qui est hyper intéressante qu'on connaît dans le fonctionnel. Les fonctionnels, les langages fonctionnels, ça fait quelques années qu'ils nous disent nous avons pris une longueur d'avance sur vous parce que nous, toutes nos variables sont non modifiables et à partir de là, faire du multithreading chez nous, c'est beaucoup plus simple que chez vous dans les langages où vous commencez à modifier toutes vos règles. Const, c'est quand même pas mal pour ça. Parce que justement, ça commence à avoir un premier pas vers le monde du multithreading plus simple. Donc de la concurrence. C'est plus simple à reprendre. Personnellement, quand j'ai une variable qui est const, je n'ai pas besoin de me fatiguer. Je sais que cette variable, quand je vais débugger, elle est définie une bonne fois pour toutes, elle ne va jamais changer. Peu importe si elle a 150 versions, ce n'est pas fait. Pas d'attention nécessaire, supplémentaire, mais nécessaire en debug. Le truc a été positionné une bonne fois pour toutes. Bon, par contre, si je veux initialiser une variable, et que son état, je ne peux le connaître qu'après un if ou des choses comme ça. S'il y a des branches, c'est plus compliqué. Donc ça, je vais revenir plus loin parce qu'il y a des gens qui proposent des solutions. Je vous laisserai réfléchir. Je vous les proposerai ces solutions. Après, je vous laisserai réfléchir de vous, de votre côté, si elles vous plaisent ou si elles ne vous plaisent pas. Personnellement, je ne comprends pas la réponse. En ce qui me concerne d'abord, majeur. 2. La déclaration retardée des variables, c'est lorsque nous avons un bout de code qui a vécu. Imaginez ici ce bout de code. J'avais cette variable i, à un moment donné, qui était initialisée. Et puis un jour, pour une raison x ou y, j'ai décidé d'inverser ce if avec l'initialisation de i. Là, maintenant, je me retrouve dans une situation où je commence à manipuler une variable qui n'a pas été initialisée. Le code i fonctionnait à un moment donné, et puis il a été modifié. Alors, fort heureusement, depuis les versions récentes de GCC et Clang depuis quelques années aussi, on a un nouveau warning, ben là, malheureusement, il ne rentre pas à l'écran, qui nous dit, attention, vous êtes en train de manipuler GNU alors que lui n'a pas été initialisé dans cette branche. Personnellement, j'ai trouvé ça juste génial, ce warning. C'est quelque chose que nous n'avons pas, c'est quelque chose que nous avons aujourd'hui dans notre écosystème. Bon, bien sûr, il ne faut pas rester avec le GCC 4.8 qu'on a sur Adat7, des choses comme ça, il faut installer des versions plus récentes. Ça, c'est une problématique que nous pouvons avoir aussi. Bon, le seul problème, c'est que si on applique notre règle qui nous dit que toute donnée doit être initialisée, ben, ça veut dire que je vais faire de la programmation excessivement défensive, je force mon i à 0, ben, du coup, l'outil ne peut plus rien lui dire.
le compte-créateur ne peut plus émettre un warning qui nous dit attention, là ton machin t'a mis dans une valeur garde-fou, parce qu'une vraie qualité qui te dit que tu dois le mettre dans une valeur garde-fou, là, du coup, c'est initialisé. Donc il ne peut pas dire, quand je m'en sers, que c'est initialisé à une valeur qui n'est pas pertinente. L'alternative à tout ça, c'est de se dire mon IDA, je le déclare au moment où je suis capable de lui donner une valeur pertinente. Résultat, ce code ne compile plus, le compilateur est capable de lire, maintenant tu essaies d'utiliser une variable alors que cette variable n'est pas déclarée, il y a une erreur de programmation, débrouille-toi, corrige. Et là maintenant je peux agir et je peux être capable de dire qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ça ait du sens. Peu importe le changement, mais en tout cas je suis obligé de changer. De mon point de vue, c'est l'apport majeur de la définition retardée. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question que ça nous force à faire du code correct. Ça nous évite de travailler avec des données qui sont dans des états qui ne sont pas pertinents. Comme j'aime bien le dire dans les formations que je donne à mes étudiants, tout ça, une variable a un invariant. On n'y pense jamais, mais cet invariant, il est là tout le temps. Une variable doit être dans un état utilisable. C'est tellement évident qu'on n'y pense pas. Mais pourtant, toute variable, quand on ne la met pas dans un état utilisable, mais qu'on l'utilise, on a des soucis. Donc il faut commencer par penser à ça. C'est une évidence, et pourtant ça change énormément de choses. Alors, ce qui est cool, c'est que là, le compilateur va émettre une erreur. Mais problème, on arrive sur une autre problématique qui est totalement humaine, que j'ai découverte il y a quelques années, c'est qu'il y a des gens qui se sentent rabaissés quand un outil informatique, quand une machine, lui dit « Non, tu as commis une erreur ». C'est surprenant, moi, c'est pas que j'aime me faire fouetter par la machine ou quoi que ce soit, j'aime pas imaginer des choses. Mais personnellement, quand il y a une machine qui est capable de corriger mes erreurs d'inattention, parce que je ne sais pas, peut-être que la veille j'étais fatigué, je n'avais pas assez bien dormi, j'étais sorti, j'avais eu un autre problème, on n'en sait rien. Ce n'est pas important, mais toujours est-il que j'apprécie qu'une machine soit là pour corriger mes erreurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et quand on se dit, c'est vachement bien, il y a une machine qui va nous sanctionner si on fait des erreurs idiotes. Mais dites-vous que ce n'est pas quelque chose que tout le monde va appréhender de la même façon. Alors, quelques petits aspects connexes. Donc, je vous dis, le problème sur ces définitions retardées, c'est que quand il y a une branche, comment est-ce que nous faisons pour pouvoir initialiser la variable? Alors, depuis quelques temps, nous avons accès aux opérateurs ternaires, ce genre de choses. Et depuis peu, on le retrouve dans les C++ Core Guidelines à la règle 28, à ES28 pour être exact. Et dernièrement, il y a eu une présentation par Ben Dean, si mes souvenirs sont bons, au CPPCon 18, où on pousse une programmation qu'ils appellent déclarative. Programmation déclarative, c'est qu'on dégage toutes les affectations, on dégage les boucles qui ne sont pas des appels et des algorithmes, etc. etc. Ils poussent vraiment l'expérience jusqu'au bout. Mais là, ça veut dire que cette fois-ci, plutôt que d'avoir un test, on va se retrouver avec une lambda qui localement est appelée. Et c'est là où j'ai un petit problème personnellement, c'est que je ne me contente pas de définir ma variable, je définis ma variable à la volée en faisant un appel de lambda. Pour ceux qui connaissent la syntaxe des lambda, ici, ok, je récupère mon contexte, là, j'ai le code de ma lambda. Mais une petite parenthèse vide ici, ça veut dire que la lambda, je l'appelle à la volée, et je récupère le résultat pour initialiser ma chaîne de caractères. Là, on peut se poser la question, est-ce que ceci est vraiment simple à manipuler? Si je peux me permettre, sur les IIFE, pour nous, c'est plus un nouvel idiome, mais c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années sur des choses comme du JavaScript et des langages un peu plus horribles comme ça. Ah, peut-être. Donc, il y a aussi le fait qu'on est dans notre petit monde et qu'on ne le voit pas forcément. Tout à fait. Et sur le coup de la lambda invoquée, des std::invoke ou ce genre de choses, ça se fait très bien ellipser et on se retrouve avec du code aussi performant. En fait, c'est ça la question, c'est que c'est quelque part, c'est un nouvel idiome qu'on va rajouter dans le langage sur une population qui n'y est pas forcément habituée. C'était une des questions qui a été soulevée par Kate Grégory au CPPCon 18. Si vous intéressez à l'enseignement du C++, ou la simplicité du C++ pour tout le monde, franchement, regardez ces conférences, elles sont très très intéressantes. On peut utiliser le lambda, et du coup là, on est bien dans une situation où la définition de la variable a été retardée. À peu près à ce niveau-là, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur
la règle déclaration des variables. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur cette première partie où je commence à vous parler du single exit ensuite? Donc j'enchaîne. Parce que là, un petit truc qui est intéressant, c'est que dans cette lambda, je viens d'une deuxième règle traditionnelle. C'est que je fais plusieurs retours à l'intérieur d'une même fonction. Ça c'est pareil, c'est une règle sur laquelle j'ai eu quelques soucis parce que là pour le coup il y a encore plus de contradictions entre les référentiels parce que ce ne sont pas forcément des référentiels locaux qui continuent à perdurer avec cette règle mais ce sont des référentiels qu'on va trouver sur le net, des référentiels établis avec des gens qu'on peut totalement respecter qui ont proposé cette règle. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas d'accord? Quelle est la bonne chose à faire? Les trucs intéressants aussi c'est ce qui me fait dire qu'il va peut-être falloir migrer, c'est que les référentiels qui sont plus récents, on observe une évolution ces dernières années. Et ces dernières années, on a tendance à dire on abandonne le retour unique depuis une fonction et on passe au retour multiple. Ou on repasse, plus exactement. Alors dans les référentiels qui sont un seul retour, on a le Joint Strike Force Air Vehicle. Donc c'est la règle référentielle de règle qualité qui était disponible, ou qui encore, je ne sais plus, sur le site de Bernd Rostrup. Le MISRA 2008 aussi, pareil, une fonction, un seul retour, et ainsi de suite. Et après, ben, j'ai plein de monde qui dit le contraire. Alors le AUTOSAR, donc AUTOSAR, je vous ai dit, c'est un petit peu l'héritier spirituel du MISRA, ben, lui dit, cette règle de retour unique, je la dégage parce que j'estime que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Et après, ben, un certain nombre de référentiels, le CERT C++, le C++ Core Guidelines, les règles qualité chez l'LVM et bien d'autres règles qualité disent que le retour multiple, en fait, ce n'est pas un souci. Pourquoi? Toujours intéressant chez le C++ Core Guidelines, c'est que c'est rangé dans les non-rules and bits. Quelques petits aspects cognitifs, c'est-à-dire là, on n'est pas vraiment sur du technique, mais on est sur du ressenti. J'ai bien aimé dans le bouquin de Refactoring de Martin Fowler, deux aspects, c'est que, de son point de vue, vu à lui, ce qui est important, c'est la clarité du code. La clarité du code, c'est vraiment quelque chose qui est une. C'est quelque chose que chacun va avoir un ressenti différent. Ce que je vais trouver clair, ce n'est pas forcément ce que la personne à côté de moi va trouver clair. Et là, c'est difficile de se mettre d'accord. C'est vraiment très difficile. Un autre aspect qui peut être assez intéressant dans sa formulation, c'est qu'il considère que ce sont des schémas qu'on reproduit. On nous a enseigné une certaine façon de faire, on perdure avec cette façon de faire sans forcément se remettre en question. Est-ce qu'il est pertinent ou pas de se remettre en question? Certainement, quitte à perdurer avec les anciennes approches, mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait un choix, et pas juste de suivre aveuglément un choix qui a été fait par d'autres, surtout pour cette chose-là. Autre aspect cognitif, avec le Robert C. Martin, oncle Bob, comme ils aimaient l'appeler dans la communauté C++, lui a tendance à dire que le single exit, à partir du moment où notre fonction est courte, en fait, ce n'est plus une question qui se pose. On fait des fonctions courtes, après sur le reste, la clarité, elle va venir d'elle-même. Effectivement, avoir des fonctions courtes, c'est le principe de responsabilité unique, c'est les V2G qui doivent être minimum sur les règles qualité, c'est pas plus de 3 niveaux d'indentation, sinon on se fait avoir, d'après les propos de Linus Torvalds sur les règles qualité du kernel Linux. Bref, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus, une fonction, il faut qu'elle soit courte. Une fonction qui soit courte, les variables, on peut les définir de manière retardée, ça pose pas un problème pour comprendre. Et on pourrait avoir des retours multiples, cela ne devrait pas poser un problème pour comprendre. Mais le problème, c'est que dans tout ça, c'est quand même des aspects cognitifs. C'est vraiment, chacun va avoir sa propre appréhension du truc. Notre propre vision, c'est du ressenti. Et discuter sur du ressenti, c'est difficile. Difficile de trouver des faits derrière. Alors je vais essayer de mettre la passion de côté, et essayer de vous présenter un aspect technique. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Un petit peu d'histoire, d'abord. En général, quand on parle de retour multiple, il y a une règle qui est la règle du single exit, single entry, single exit. Aujourd'hui, on ne parle plus du single entry. Parce que, à peu près sur tous nos langages, le single entry, ce n'est plus pertinent. Single entry, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une fonction, dans une routine, je peux y rentrer depuis vers plusieurs points différents. Ici, c'est un code que Fortran 2008 refuse à présenter. J'ai une routine, mais dans cette routine, soit j'y rentre pour l'entrée 2, soit j'y rentre pour l'entrée normale. Et au moment de l'appel, je choisis par quelle entrée je vais y rentrer. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ah, sauf, je ne sais pas, vous connaissez l'IL dans Python?
Et on va reprendre là où nous en étions restés. On a les mêmes choses sur les coroutines, etc., etc. Je voulais dire qu'il y a les nouveaux standards, il y a reposition des coroutines, etc. Oui, tout à fait. Je ne sais plus si c'est validé ou pas pour le 20 ou si c'est pour le 23, mais ils y travaillent à fond. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va avoir en retour des entrées multiples. Il va falloir décider, est-ce que ça va être pertinent ou pas. Un autre truc qui se faisait aussi à l'époque, le single exit pouvait vouloir dire autre chose que l'acceptation que nous avons aujourd'hui. Le single exit, ça veut pas seulement dire qu'on peut partir depuis plusieurs points, mais c'est qu'on peut retourner à plusieurs points différents. D'ailleurs, je t'ai tombé sur un article sur Stack Overflow, celui qui est listé à ce lien-là, qui disait que historiquement, ça voulait dire ça, le single exit. J'en suis pas persuadé, donc c'est ça à vérifier, j'ai du mal à vérifier ça. La notion de single exit, Knut, dans son article sur pour réinstaurer Gotoo dans la programmation structurée, il évoque les travaux de Boschman où justement on voit qu'il est possible de sortir vers des endroits différents depuis une boucle, mais aussi de fonctionner dans le langage sur lequel travaillait Boschman. Et on avait ça aussi en Fortran jusqu'à la version 90. Alors Fortran compile toujours avec cette chose, mais ils disent de ne plus s'en servir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'appelle ma fonction. Et en fonction d'un petit paramètre que je vais donner, 1, 2, 3 ou 456, ben je peux reprendre vers la ligne qui correspond au flag 1, 2, 3 ou vers la ligne qui correspond au flag 456. Lorsque j'appelle ma fonction, ben en situation normale, je reprends une ligne. En situation qui n'est pas normale, je vais reprendre une autre ligne. Le single exit, ou plutôt les exits multiples, ça peut vouloir aussi faire référence au fait qu'il peut y avoir des destinations multiples. Ce n'est pas juste des points de départ multiples, mais potentiellement des destinations multiples. Ce truc, aujourd'hui, on ne le voit plus trop. Enfin, si, tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Donc, bref, un peu d'histoire. Là, je vous ai parlé à l'instant du structured programming, la programmation structurée. Donc, c'est le machin qui a été vraiment lancé par Dijkstra dans les années 60, etc., etc. Et son article qui est fort célèbre, Gotoo Considered Handful. En gros, si on résume son article, c'est que Gotoo doit être banni parce qu'en fait il nuit à la probabilité d'une séquence d'instruction. C'est pas une question que ça va rendre le truc est compliqué à comprendre pour un humain, mais c'est une question qu'on va pas pouvoir passer des outils sur notre fonction et être capable de prouver que le code fait bien ce qu'on attend de lui. En fait, ce sont des problématiques par rapport aux aspects de preuve formelle. C'était ça son article. C'était pas un truc de ressenti, c'était un truc de preuve mathématique des programmes. Et que l'on parle de multiples destinations ou de retour prématuré, c'est le même problème. Ça ne change rien pour lui, c'était le même combat. On a un problème de preuve. Dijkstra a été contredit par Knut peu de temps après. Lui, par contre, il a tendance à considérer que Gotoo est parfaitement acceptable en programmation structurée. Quand on fait un organigramme, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces trucs avec des longages, des carrés, des flèches, etc., etc. Mais si on avance par la gauche, c'est-à-dire on descend par la gauche et on remonte par la droite, et quand si on arrive à ne jamais croiser les fils, Gotoo est acceptable. Et la probabilité d'un programme ne devrait pas être impactée par l'utilisation de Gotoo. Donc ça, c'était en gros... La réaction de Knut, qui fait, je sais plus, une cinquantaine de pages à un article qui en faisait 4-5 lettres. Et derrière. Alors, sur des langages un peu plus proches de nous, c'est qu'on ne doit pas quitter une portée sans jamais rien libérer. J'ai fait une allocation de mémoire, j'ai un mutex, j'ai une socket qui est ouverte, j'ai un fichier qui est ouvert. Je ne dois pas quitter une portée sans m'assurer que ce machin sera libéré un jour. Ça, c'est extrêmement important. Les langages sans exception, c'est-à-dire aussi. On a plusieurs approches. Soit on va indenter le code et on va imbriquer tous nos trucs pour avoir des tests et retrouver plus ou moins la structure qui nous permet d'assurer la libération de nos ressources. Cette tendance, de mon point de vue, mais tout le monde ne peut ne pas être d'accord, c'est que ça complexifie la compréhensibilité du code source. C'est pas toujours dry. Pas toujours dry, ça veut dire dry, c'est pour don't repeat yourself. Parfois, il y a une allocation qui va se retrouver dans 4 ou 5 else de tests de vérification. C'est pas exceptionnel.
Alors, ce qu'on voit assez souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir des go-to cleanup ou des go-to error en C pour pouvoir nettoyer. Mais on va se retrouver avec une évaluation locale de la programmation structurelle pour pouvoir la retrouver au niveau global. C'est un petit peu particulier. Est-ce que ça impacte la probabilité? C'est une bonne question, d'après Knut. Est-ce que les outils sont capables de s'en sortir? J'avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier ça. Dans les langages exception, nous avons finally. Nous avons try with resources en Java. Nous avons with, using, en fonction que nous soyons en Python, en C-Sharp. Et en C++, nous avons le RA2I. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le RA2I ici? Bon, je vais en parler un petit peu rapidement dans les annexes tout à l'heure. Le RA2I, c'est un mécanisme qui, en C++, nous garantit de toujours libérer notre mémoire, nos ressources de manière générale, quel que soit le chemin que nous prenons pour quitter une portée. C'est un moyen qui est garanti. Bon, autant faire la parenthèse maintenant. Allez hop. Oui, non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé. Parenthèse RA2I. Là, j'ai repris ce code qui a été publié par l'ensemble par Aaron Naman. Une traduction se trouve sur développer. Et ce code, c'est un truc assez classique. Moi, j'appelle ça le pli magique où les erreurs n'existent pas. Le pli magique où les erreurs n'existent pas, c'est que j'écris mon code comme si j'étais dans la situation normale, comme si tout allait toujours bien. Et tant pis s'il y a une erreur, j'ai pas le temps de m'en occuper. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais une allocation d'unicode. J'exécute un certain nombre d'actions. Potentiellement, j'exécute des actions qui peuvent me déclencher une exception. Peut-être que le setText peut me déclencher une exception. Peut-être que le getInfo peut me déclencher une exception. Peut-être que le newIcon peut me déclencher une exception. Plein d'opérations peuvent me déclencher des exceptions. C'est plus, elles sont partout. Résultat, si j'ai une exception, ben je peux avoir une fuite de mémoire sur le newIcon. Je peux avoir une fuite de mémoire sur le notifyIcon. Et donc, j'ai des fuites de mémoire. C'est une catastrophe. Bon, c'est pas très grave, ce ne sont jamais que des fuites. Si notre programme, on le lance et qu'on l'arrête de suite, c'est pas bien grave. Parce que heureusement, maintenant, les OS, ils savent récupérer. Si c'est un serveur qui tourne H24, 7 jours sur 7, là, ça devient un souci. La première tentative classique qu'on faisait il y a quelques années, c'est de dire, tiens, je vais rajouter un try catch et normalement, ça devrait suffire. Localement, ouais, ça suffit. Mais il suffit qu'on change l'ordre de deux lignes. Il suffit qu'on rajoute une troisième, une quatrième ressource et ce truc-là, ça ne se calme pas. Ça devient l'horreur à maintenir. Si nous n'avions pas d'exception, si nous étions dans un mode correct à base de code de retour, mode correct à base de code de retour, donc ça c'était... En fait, celui de Doug d'Aaron Naman, c'est une réponse à Raymond Chen qui proposait que... qui expliquait que pour lui, il est facile de vérifier qu'un code en C n'est pas correct si en gros, il n'y a pas réglé toutes les deux lignes. Le code C, qu'il n'a pas récupéré de ligne, il est sûr qu'il n'est pas correct. Celui-là, il est peut-être correct. Il faut l'analyser. Personnellement, quand Aaron Naman a publié ce truc, j'ai estimé que ce truc était correct, j'ai pas voulu vérifier si c'était correct. Bon, on peut le supposer, a priori, on a à peu près un if toutes les deux lignes. Il y a aussi quelques petits boutons qui traînent, des choses comme ça, mais bon, allez. J'ai un if toutes les deux lignes, c'est probablement correct. Personnellement, je n'ai pas envie de maintenir ça. Ce que j'ai envie de maintenir, c'est ça. Je ne suis pas au pays magique où il n'y a pas d'erreur. Par contre, je suis dans un pays où il peut y avoir des exceptions qui remontent. Ce code, il ressemble énormément au code du pays magique. La différence, c'est que je n'utilise plus des pointeurs bruts. Ou des pointeurs nus, en fonction de la traduction qu'on utilise. J'utilise des unique pointers. Un unique pointer me garantit de toujours vérifier, de toujours désallouer de la mémoire qu'il possède. Ça change absolument tout. Ça change absolument tout parce que ça va me garantir que ceci n'a pas de fuite de mémoire. Au lieu de surveiller 20 chemins d'exécution différents, je ne surveille que 3 ressources. En fait, que 2 dans ce cas-là. Mais si j'ai une quatrième ressource, j'ai un unique pointeur qui va me surveiller la ressource, et là, c'est gagné. Mon code est simple. Il est compréhensible, il est maintenable, il est correct. Ça, c'est ce qu'on a envie de faire. Ouais. Si l'allocation de l'icône, elle échoue dans ce cas-là, ça fait quand même cette icône le premier icône, là, icône. Ouais, enfin, c'est une des... enfin, oui, si la première allocation échoue, en fait, l'icône n'est jamais affectée. Donc en fait, on avorte de suite. Si la deuxième allocation qui est ici avec le mec unique échoue, la deuxième allocation n'a pas eu lieu, vu qu'elle a échoué. Le setText aussi a produit quelque chose, c'est pas bien grave. Mais par contre, le icône,
l'objet icône ici, c'est un unique pointer. Quand on arrive à la fin du bloc dans lequel cette variable globale est définie, la variable globale est détruite et elle emporte avec elle la mémoire qui a été allouée. Si je veux être pédantique, fallait move winner, sinon on va le perdre. Oui, tout à fait, je vais oublier de modifier le code. Et oui, il faut faire un move, mais de toute façon, je pense que ça ne va même pas compiler dans ce cas. Sauf si on prend une référence, mais on va avoir des soucis après. C'est ça, oui. Oui, mais il faudra le corriger. Donc ça, en grosso modo, c'est ce qu'on a envie d'écrire. Surtout, on va le dire. Et parce qu'il n'y a que ça qu'on arrive à maintenir. Parce qu'en C++, il y a des exceptions. S'il n'y a pas d'exception et qu'on fait des codes retour, pas de problème, on écrit ça, le code se raconte. Bon, ça n'empêche pas que même dans un monde où on n'utilise pas les exceptions, on peut écrire ça, le code sera aussi correct. On n'est pas obligé d'utiliser les exceptions pour utiliser ça. Et ça, c'est cool. Tout ça pour dire, les ressources ne sont plus un problème. On n'est plus obligé d'atteindre la fin de notre fonction pour pouvoir nettoyer toutes les ressources. Ouais. Et si on n'a pas les exceptions, du coup, il se passe quoi sur ce code? Si on n'a pas les exceptions, on peut Le code là en question tel qu'il est écrit, il n'y a pas de flow d'erreur qui est géré. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait remplacer les mecs uniques par d'autres mécanismes et qu'il faudrait quand même faire un test au niveau de chaque appel. Donc en fait, on n'aurait plus que 5 tests uniquement à ce niveau-là et on n'aurait plus toute la ribambelle que nous avions tout à l'heure. Ou en tout cas, pour être plus précis, je n'ai plus besoin de m'assurer d'arriver sur cette zone de cleanup où je vais libérer toutes mes données. Peu importe ce que j'ai fait dans mes ifs, à partir du moment où j'ai remonté, le cleanup, il est garanti. C'est surtout ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le cleanup soit garanti. Et que je n'ai plus besoin d'écrire. Il devient implicite. Donc sans exception, si l'allocation échoue, ça va continuer, mais ça va pas le même temps. Sans exception, si, parce que là on va récupérer un nul, le nul il faut le traiter. Okay. En fait, après, ton unique pointer, il englobe le new et le delete dans le constructeur et le destructeur. Et comme C++ te garantit que si tu sors de la scope, tous les objets qui ne sont pas dans le return sont détruits, tu es sûr d'appeler le delete. Après, si le mec unique échoue et que t'attrapes pas l'exception, il y a tout qui explose, okay. Mais très très vite. Mais localement, tu n'as pas eu de fuite. Après, c'est au niveau applicatif global qu'il faut gérer son erreur. Ne sont plus un problème en C++ grâce à RDC. Et dans tous les autres langages, il y a la notion de de dispose pattern. Et le dispose pattern, c'est try finally, c'est try with resources, etc., etc. Chaque langage, j'ai envie de dire aujourd'hui, a un équivalent au RDC. Que ce soit explicite ou implicite, le RDC est implicite. Je n'ai pas besoin d'écrire je fais une release. Dans les autres langages, dans le finally, j'ai besoin d'être explicite. Ce n'est pas le cas avec using. Ça dépend, là, il faut regarder. Avec quoi on travaille. Alors je vous parle des exceptions. Le truc c'est que en fait il n'y a pas d'exception au moment des balbutiements de programmation structurée, l'article de Dijkstra, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment pris en compte dans sa lettre qu'il a envoyée à l'éditeur j'ai oublié le nom de la revue, mais c'était pas pris en compte dans ses réflexions. Et en fait, des exceptions, si on regarde bien, c'est à la fois des early exits, c'est-à-dire ce sont des points de retour supplémentaires. Quand je fais un throw dans un code, là, je ne suis pas passé par le return pour retourner, je suis passé par le chemin qui a été ouvert par le throw. Je peux avoir potentiellement plusieurs throws. Ce sont des early exits supplémentaires. Et là où c'est... on a tendance à ne pas le voir venir, c'est que ça nous renvoie vers des destinations multiples. Certes, on les connaît, ces points de destination multiples, ce sont des bug catch qui sont ailleurs, mais ce n'est pas la reprise à l'issue du point virgule qui correspond à la fonction que nous avons appelée, etc., etc. On revient ailleurs, on ne continue pas. Du coup, quelque part, l'exception, c'est une double violation du single exit. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces exceptions? Le problème, c'est que... je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse. Soit on interdit des exceptions pour respecter le single exit. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on utilise les langages d'exception si c'est pour se les interdire? Il y a des gens qui considèrent, ok, on va quand même toutes les rattraper, et dans les fonctions qu'on écrit, dans tous les cas, on fera un return.
pourquoi pas. On peut dire aussi, bon, on fait un seul return, mais autant d'exceptions qu'on veut. Bon, là, il y a des lettres qui ont déconné, j'ai des lettres en plus qui sont tapées un peu, désolé. J'ai vu ceci dans les propositions qui ont été faites. Ou alors, on range tout simplement le single exit dans les numbers, comme ça a été fait dans les CPP Core Data. Accessoirement, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire et ainsi de suite, cette page Wikipédia est très intéressante. Elle est très intéressante parce que justement elle fait un petit peu un bilan depuis l'article de Dijkstra, les réponses de Knuth et pas mal d'autres personnes qui ont essayé de prendre en compte les exceptions dans l'histoire et de voir où est-ce qu'on pouvait arriver. Alors, je vous ai parlé que tout ça c'est lié à la preuve formelle. Et qu'est-ce qu'on fait de la preuve formelle? C'est une bonne question. Du coup, ces trucs, je les ai soumis sur des forums et ainsi de suite. J'ai pas mal discuté. Il y a un des intervenants qui est justement un petit peu calé sur les outils de preuve formelle, etc., etc. Il m'a fait tout un laïus assez conséquent. On peut aussi le lire si vous voulez tout lire. Là, le résumé, même lui, déjà, ça prend pas mal de place sur les trucs. Grosso modo, en fait, la preuve formelle, il y a deux approches. On peut avoir une approche inductive, on peut avoir une approche déductive. C'est-à-dire que soit on remonte depuis la postcondition pour vérifier que la fonction nous assure, quelles sont les préconditions à assurer, est-ce que nos préconditions sont bien faites, ou soit on va dans l'autre sens, et dans l'autre sens, on essaie de dérouler les instructions pour essayer de prouver qu'on remplira bien les postconditions attendues, etc., etc. C'est compliqué. De base, c'est déjà compliqué. Il y a des outils qui le font, typiquement Framasser, etc., etc. Mais quand on met les exceptions au milieu, ces outils ne savent pas gérer les exceptions au milieu. Il existe un plugin qui est en cours de développement pour Framasser, je crois qu'il s'appelle, ils ont appelé ça Framaclang, pour gérer le C++. Et de ce que j'ai suivi de l'histoire, c'est que pour l'instant, les exceptions ne sont pas gérées correctement. Parce que les exceptions, c'est compliqué. Du coup, avoir des preuves à des exceptions, c'est compliqué. Il y a des langages, visiblement, qui s'intéressent à la question, qui semblent être capables de faire des trucs. J'ai vu lister why dans les noms de langages, mais en C++, pour l'instant, nous ne sommes pas outillés pour faire de la preuve formelle dans un monde d'exception. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. J'ai quand même tendance à considérer que le retour multiple, c'est plus simple, ça me simplifie la vie, moi, d'un point de vue cognitif. Ou, vous me direz peut-être même. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ces deux sujets, de manière plus vague peut-être? Je ne sais pas. Moi j'ai une question sur un sujet un peu dévié, pour savoir si je programme bien. Il m'arrive assez souvent de créer une classe où je récupère quelque chose, on va dire un tableau ou un objet un peu compliqué, et mes objets à chaque fois, ils sont forcément rattachés à l'autre objet. Et je préférais que déclarer cet objet premier, principal, comme une référence et pas un pointeur. Oui. Et comme ça, dans les méthodes de ma nouvelle classe, je suis sûr qu'il y a quelque chose raccroché au pointeur. J'ai pas besoin de tester si le pointeur il pointe sur rien du tout. Ça, bon, pour économiser. Et donc, si je pouvais avoir une référence vers l'objet premier, j'aurais pas besoin de faire ce if. Mais souvent, à la compilation, je me fais bien embêter parce que quand je déclare mon objet de ma classe, je ne suis pas sûr d'avoir à disposition l'autre objet. Et donc à chaque fois, je me triture la tête pour savoir si je ne peux pas les déplacer à certains endroits pour être sûr d'avoir une référence. Et au bout d'un moment, je crois que c'est impossible, j'en ai marre et je déclare comme... Je déclare comme pointeur et donc souvent je suis obligé d'avoir une déclaration, une définition de l'objet de ma classe et à vide, sans initialisation. Et donc c'est plus tard, je me débrouille pour qu'il y ait effectivement une initialisation. Et bon, je me pose la question, ça reste un peu vague, si effectivement c'est. Si vous connaissez un petit peu le sujet, et si vous voyez ça souvent, il doit arriver assez souvent d'avoir à créer des classes pour lesquelles c'est une classe qui utilise une référence, censément. Mais mais souvent c'est pas une référence qui est déclarée. Et du coup, si c'est bien codé en code industriel, après on est obligé en permanence de faire des if, ça pointe bien sur quelque chose dans chacune des méthodes.
Donc, Alors ça me fait, en fait, ça me, du coup, là, ça me fait penser à la présentation que j'ai donnée l'année dernière sur les programmations par contrat et ainsi de suite. Parce que j'ai un petit peu réfléchi en fait à, la, à une question qui était assez similaire, parce qu'un jour on m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans le cas des objets qui sont cassés? Et ça me fait un peu penser à votre question. Les objets qui sont cassés, c'est typiquement, j'ai quelque chose qui va déclarer une connexion à, vers un pair qui est ailleurs, c'est-à-dire je vais faire du réseau. Donc, mon objet, ben, je vais avoir une adresse IP qui va être stockée, je vais avoir un port de connexion, et je vais avoir ma socket à proprement parler. Et il se trouve que de temps en temps, ben, des fois, la connexion peut être coupée. La connexion peut être coupée, ça veut dire que mon objet de connexion peut être cassé momentanément, mais pourtant, mon objet, il est toujours là. Il faut que je me pose potentiellement la question, est-ce que je peux m'en servir ou est-ce que je ne peux pas m'en servir? Et après réflexion sur ce truc-là, sur ce cas particulier en tout cas, j'en suis arrivé à l'idée que, quelque part, on va voir des invariants qui vont s'imbriquer. Des invariants qui vont s'imbriquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que j'ai une information qui me donne, j'ai un numéro de port, j'ai un contexte, etc., de connexion, mais ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, je suis capable de dire, j'ai l'invariant, j'ai une connexion qui est établie, mais dans un scope qui est plus restreint, je vais avoir cette information supplémentaire que j'attendais préalablement. Et du coup, l'approche à laquelle j'ai pensé, je n'ai pas encore eu le temps, j'ai envie de dire, de la mettre en œuvre parce que j'ai plus fait de réseau depuis un petit paquet de temps maintenant, et je n'ai plus besoin d'objets cassés depuis quelques temps non plus, c'est de décomposer mon truc en deux temps. C'est-à-dire, j'ai un contexte où j'ai un objet qui contient que les informations de connexion, et j'ai un contexte qui est plus petit, qui est imbriqué dans le premier, où j'ai cette information de connexion. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer à votre cas ou non, c'est-à-dire d'avoir des notions où vous allez avoir de plus en plus d'informations. Et que les informations vont se raffiner et potentiellement vous allez sortir d'un contexte où vous aviez des informations supplémentaires, que vous allez retourner dedans, je ne sais pas. Là, parce qu'effectivement c'est un petit peu vague, j'ai envie de dire, il faudrait voir du code pour... Enfin, en tout cas, moi j'aurais besoin de voir du code pour vous donner une réponse plus précise par rapport à votre problématique. Oui, effectivement, bon, c'est intéressant, votre cas il est pire que le mien. Puisque moi je vais avoir des informations, je vais juste avoir un délai entre la déclaration et puis effectivement l'initialisation, la définition. Comment est-ce que vous faites la séparation entre, vous repérez le contexte C'est des fonctions qui appellent certaines autres fonctions et du coup ça va être défini en sous-contexte. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai une fonction qui va peut-être me déclarer des objets qui n'existaient pas. Et c'est sans ces objets finaux que là, je vais avoir le contexte de connexion. Et quand je sais que ma connexion est cassée, ben, c'est tous ces objets qui étaient finaux vont se faire détruire. À partir du moment où il n'existe plus, je n'ai même plus d'objet qui me dit est-ce qu'il peut y avoir une connexion, parce que je n'ai même plus d'objet socket à ce niveau-là. C'est l'objectif vers lequel je tends, en tout cas. Après, par rapport à votre question, j'ai l'impression que ça peut être aussi une question est-ce qu'on est capable d'imbriquer pour dire est-ce que déjà je peux retarder la définition de l'objet qui contiendra les référencements ou pas? Ça, c'est pas toujours faisable. Et parfois, ben, on fait comme on peut et on se retrouve avec des setters qui vont faire un set sur un pointeur ou un alignement. J'essaie d'éviter, mais c'est pas toujours facile. Oui. Ouais, c'était à propos de la déclaration des variables en début de fonction. Oui. Je pense que c'est un non-problème, en fait, puisque les fonctions doivent être courtes. Oui, mais est-ce qu'elles sont vraiment courtes? Elles devraient. Elles devraient. Et justement, si on déclare les variables en début de fonction, oui. Ça va augmenter le tracing. Oui, légèrement, oui. Et du coup ça va finir par être chiant, et du coup, ça va pousser les gens à faire des fonctions plus courtes. Ça devrait. ça devrait. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est ce qu'on constate dans les codes que nous côtoyons tous les jours? Pas toujours. Pas toujours, effectivement. J'ai tendance à dire que la première règle qu'on voit en dérogation quand on rend un code à un client en disant non, mais là, ma fonction est longue, mais tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, je suis sympa avec toi, la fonction longue, je te l'accepte. J'ai l'impression que c'est souvent la première dérog qu'on voit. Ouais, ça devrait pas, mais c'est la première qu'on voit. Ouais, une fonction longue, c'est toujours. C'est ce qu'on cherche, c'est la simplicité, en fait. Mmh. Du coup, une fonction longue, mais très, très simple. Elle peut être longue, voilà. Oui. Si c'est une chute de liste, c'est stupide, c'est pas grave. Oui, si c'est totalement linéaire, ça serait acceptable, mais parfois il y a des sous-blocs qu'on est capable d'isoler. C'est toujours la question, quand on est capable de mettre des commentaires sur des lignes qu'on exécute, ça peut dire qu'on est capable de faire une fonction qui porte le nom du commentaire. Quoi. Ah non, ça je suis totalement parti pris aussi sur la fonction courte. Après,
ça n'empêche pas qu'il va rester notre règle, qui va traîner ou non. Et la question, c'est ce qu'on dit, mais regarde, elle est moins prioritaire que les fonctions courtes, je te propose de l'enlever, de la remplacer par ça, et ainsi de suite. Ouais. Et surtout, est-ce qu'on s'interdit au tout ? Enfin, moi, aujourd'hui, en C++ 11, 14, et ainsi de suite, est-ce que je m'interdis au tout parce qu'il y a une règle qui me dit que tout doit être déclaré au début ? Je vais pas la réponse. C'est pas trop lié, mais plus aux fonctions courtes. Ouais. Par rapport au lambda, oui. Ça entraîne à faire des fonctions plus longues, vu qu'il y a une fonction dans la fonction. C'est pas faux. Du coup, je me pose souvent la question. Ça vaut le coup de faire une lambda, parce que finalement, la fonction devient longue, qui contient elle-même deux fonctions. Mais la lambda, j'ai l'impression que c'est. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas une verrue pour limiter le tracing localement, en disant, ok, j'augmente ma fonction, mais mon truc, de toute façon, je l'aurais pas mis dans une lambda. Typiquement, la déclaration, ça n'aura rien changé. C'est juste pour dire. Ma donnée n'est affectée qu'un seul endroit, je m'impense devant et j'en parle plus. Oui, dans ce cas-là, c'est... Dans ce cas-là, oui. Après, une lambda pour faire de la comparaison, de sorte, etc., etc. C'est une question de tracing et d'avoir une syntaxe plus simple pour ajuster le paramètre de la fonction. Voilà, la lambda, elle permet aussi de redonner une touche de jeunesse à tout ce qui est algo standard. Ouais. Ils n'étaient pas exploitables. Sinon, c'est insupportable à utiliser, quoi. Et quand ta lambda est utilisée qu'à un seul endroit, bah elle est là où elle est appelée. Parce qu'autant dire que le for each, ça sert à rien de chercher à s'en servir, le copie, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ça sans les lambda? Ça complexifie le code. Et à ce sujet, entre for each et for automé, le for range. Bonne question. Le for auto, c'est celui que je préfère aujourd'hui. Mais j'ai pas encore eu à me frotter aux algorithmes parallèles. Parce que le for each va pouvoir prendre un exécuteur sur la politique d'exécution qui va me dire je parallélise, je fais de l'OpenMP, je fais du API, je fais des trucs comme ça. Là aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de bibliothèque. Enfin, la bibliothèque standard de GCC et de Clang, elle n'est pas à jour pour ça. Ouais. Question sur une autre non-role myth. Ouais. L'initialisation en double étape. Ah, je déteste ça. Parce que je déteste ça aussi, mais malheureusement, je travaille dans du code qui existait à l'époque où les exceptions n'étaient pas. Ouais. Étaient pas trust, on n'en avait pas confiance. Donc, j'ai beaucoup de code qui est couvert de constructeurs vides et de fonctions init qui contiennent toute la logique et qui retournent un joli booléen. Ouais. C'est ce qu'on trouve dans les référentiels de règles de codage de Google, parce qu'effectivement, ils s'interdisent les exceptions. Donc la seule façon d'aborder la construction, c'est de passer par la fonction init. La fonction init, au pire, comme ils disent, on peut l'encapsuler dans une factory. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul appel de fonction depuis le code client qui fait la construction et l'init. On peut s'en sortir à peu près comme ça. Avec un petit coup de private et d'amitié, on peut s'en sortir même en disant on n'a pas le choix, on est obligé de passer par la factory. Après, c'est vrai que je personnellement, ça ne me plaît pas. Parce que pareil, j'aime bien me dire, mon objet, à la sortie de mon constructeur, l'invariant de l'objet est utilisable, il est positionné, je n'ai plus de questions à poser. Ça rend ces objets inconstables, en fait. Ça... Oui. Sauf si on passe par cette factory, on récupère un pointeur qu'on impense dessus et tout ça. Mmh. Bon, il y a pire. Il pourrait y avoir le besoin d'appeler qu'un setup. Plutôt qu'une fonction init. Il y a des codes qui sont comme ça. On est obligé d'appeler des setters. Le problème, c'est que le jour où on rajoute une propriété qui demande d'appeler un 16e setter, il faut trouver, il faut traquer toutes les utilisations de la classe qu'à chaque fois qu'on le construit pour appeler 16e setter. Il y a pire qu'init. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Oui. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Pareil, les setters, il y a de quoi encore discuter pour lui, je pense. Je fais plus très peu de C++, mais l'auto, vous ne trouvez pas que ça nuit à la lisibilité du code? Dans le sens où on va faire des, par exemple, récupérer des itérateurs, on ne sait pas quel type c'est, on ne sait pas. Je ne sais pas l'exemple d'itérateur, hein, mais ça peut être autre chose. Sur l'itérateur, pour moi, c'est l'exemple typique où auto, ça se valide. Il y a plein de cas où j'aurais été d'accord pour dire, effectivement, on peut se poser la question de la pertinence de se forcer à utiliser tout le temps auto. Je pense que j'ai tenté l'expérience sur quelques petits projets, ainsi de suite. Ça m'a quand même un peu compliqué la vie, je trouvais. Bah, surtout pour déclarer un vecteur, je ne vais pas m'amuser à passer par auto pour déclarer un vecteur. Je ne trouve pas ça très pertinent. Par contre, pour un itérateur, quand on voit le type à rallonge dans un itérateur auto, c'est quand même vachement pratique. Ah, d'accord. Après, je connais mes fonctions standards.
Je connais, j'arrive à peu près à dire, ok, je fais une fonction de recherche, j'ai un itérateur qui s'appelle where et je suis capable de dire par rapport à quelle collection et ce que j'ai cherché, donc je suis capable de donner un nom à mon itérateur qui me permet de m'en sortir. En fait, c'est la première chose importante à retenir du tripler, du Almost Always Auto. Il est important de nommer correctement les variables. Il ne faut pas se dire que je suis en train de programmer par rapport à un type, mais par rapport à une donnée et quel est le sens qui est porté par la donnée. Ça, c'est le premier truc qui est difficile à faire, c'est que des fois, on a des variables qui ont des noms qui sont courts, qui ne sont pas toujours pertinents parce qu'on a une idée vague de ce que nous sommes en train de faire. On n'est pas forcément capable, en tout cas, moi, c'est mon cas, de mettre le terme français ou anglais qui va bien pour exprimer ce que je suis en train de faire. Et du coup, j'ai une variable en nom plus ou moins bancale. Et avec auto, ça, ce n'est pas bon. Auto ne va pas nous pardonner si on a des variables avec des noms bancaux parce que derrière, on va avoir notre code. Et quand on va reprendre le truc, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais voir le type, il n'y a pas de type. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vraiment, avec auto, si on n'arrive pas à nommer correctement nos variables, on ne peut pas s'en sortir. Au-delà du Et sur les itérateurs, je pense que c'est l'endroit où c'est peut-être le plus simple de les nommer correctement. Au-delà du nommage, c'est surtout pour la personne qui vient relire, qui en a des idées, où c'est que voilà, on va cliquer, on a directement la classe, l'édition. Oui. Et ça, du coup, avec auto, on ne peut pas le faire a priori. Bien sûr que si. Ah, je ne sais pas. Si, okay, si. C'est-à-dire qu'il faut s'installer, faut utiliser des IDE qui sont un peu plus récents. Ou alors aujourd'hui, un développement qui marche pas mal, c'est les LSP Servers. C'est langage serveur protocole, ça a été développé, le protocole a été initié par Microsoft sur son VS Code. Et l'idée, c'est qu'on va décorréler le langage de l'IDE. C'est-à-dire qu'on va avoir des IDE qui sont compatibles avec le LSP et des langages pour lesquels il existe des serveurs LSP. Donc, il va y avoir un serveur LSP pour le JavaScript, pour le C++, pour le C, pour le Python, etc., etc. Et derrière, on va avoir Emacs, on va avoir Vim, on va avoir Visual Studio, on va avoir Eclipse, JetBrains, etc., etc. Et tous vont pouvoir dialoguer avec le même protocole. Et ce qui veut dire que, dans le cas du C++, on va avoir plein de D, et il y en a un autre que j'ai oublié de serveur LSP, qu'on va pouvoir intégrer dans notre environnement de développement. Et on va pouvoir faire du hover avec la souris, on va pouvoir faire un jump, full definition, etc., etc. C'est parce qu'on a maintenant, on a un écosystème, en tout cas en C++, qui peut enfin se mettre à jour. Et les LSP serveurs, franchement, ça va faire une différence. Ouais. Si je peux me permettre un argument pour utiliser l'auto, c'est qu'au niveau cognitif, ça permet aussi de séparer. Quand je suis en train de créer une fonction qui va te retourner quelque chose, je suis intéressé par ce que je te retourne et la donnée. Donc là, ça apparaît, je te retourne quelque chose, ça. Mais quand je l'utilise, ça pourrait être stocké. La donnée en elle-même, ce qui m'intéresse, c'est le nom de ma variable, et pas forcément comment elle est stockée, est-ce que c'est dans un itérateur, est-ce que c'est un pointeur ou autre. C'est le nom que j'ai donné à ma variable et comment je l'utilise derrière. La façon dont tu l'utilises dépend du type que tu lui as donné, donc pour la lisibilité, d'une certaine façon, je trouve que c'est... Ça dépend du type que je l'ai utilisé, mais bon, après c'est une question d'outil. Oui, si je suis dans un bloc-notes Windows et que je peux rien faire, j'aime bien voir que c'est un int, un itérateur ou autre. Une fois que j'utilise un IDE récent, je fais point, j'attends 3 secondes et je vois tout ce que je peux faire avec. Mais ça permet de séparer le domaine métier et quand je l'utilise, ce que je veux en faire, de la partie indus, que j'ai changé mon itérateur, j'ai peut-être changé la collection ou autre. Et aussi de remplacer mon vecteur par un set parce que c'est plus performant. J'ai pas à aller dans ma base de code et faire un commit horrible pour le relecteur. Ça va tout va recompiler tout automatiquement. Quoi. Ouais. Ouais, c'est arrivé, après, il y a peut-être un truc qui va peut-être un peu plus clair, si c'est des concepts qui sont en cours de préparation et de finalisation pour le C++20, où justement, c'est au lieu de dire auto, on va dire qu'un truc c'est un itérateur, où on va écrire forward itérateur, et quelque part c'est du auto aussi, ce machin, mais sauf qu'on a donné le concept qui était derrière. Du coup, on retrouve une sensation de typage par rapport aux concepts qui sont attendus. Mais ça reste un truc qui est totalement retardé dans le temps, exactement comme pour eux. C'est-à-dire qu'on part vraiment sur du duct taping à fond. Oui, je pense que ça a été un peu dit, mais justement sur le concept d'itérateur, je pensais, en quelque sorte, si c'est un itérateur, bon, si c'est utilisé dans une boucle for, ou avec des fonctions qui prennent des itérateurs, on sait que le nombre d'opérations dessus va être limité. Ouais. Donc, si on l'utilise à cet endroit-là, on n'a pas besoin de savoir son type. En fait, il implémente toutes
les interfaces qu'on va attendre de lui et point. Quoi. Et on n'a pas besoin d'avoir plus de détails là-dessus. Ouais, quel littérateur n'est pas forcément bon, mais je fais très peu C++, donc je connais pas. Enfin, j'ai pas d'autres exemples comme ça sous la main. Mais... Après, typiquement, les autres exemples, est-ce que je vais utiliser pour auto pour déclarer un entier d'enseignant? Pas forcément, je trouve que ça me complique la vie. Je préfère à la limite être explicite parce que si j'ai un entier non signé, que je sais que volontairement qu'il est non signé, peut-être que je me pose des questions de performance derrière et que du coup la représentation, la taille, les choses comme ça vont m'intéresser, ben, dans ces cas-là, j'ai peut-être pas envie d'avoir auto. On peut faire les deux. Mais on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut mettre le truc derrière et on peut mélanger les styles. Après, c'est un choix et là, j'ai pas de bonne réponse. Si c'est tout, merci beaucoup.